Derrière l'apparente froideur, le poids des traditions royales, une face cachée, plus espiègle, à l'humour so-british. Élisabeth II prenait un malin plaisir à braver les codes et les convenances. La voici l'an dernier, posant aux côtés des grands de ce monde, tous un peu figés, au sommet du G7. Devant les photographes, c'est bien la souveraine qui déride tout le monde. Trait d'esprit cinglant, même dans les moments solennels. Ici, Justin Trudeau rappelle qu'il est le 12e Premier ministre canadien que Sa Majesté ait connu. La répartie d'Elisabeth II est royale. Merci, Monsieur le Premier ministre, de me faire sentir si vieille. Elle savait provoquer l'hilarité. Sans doute lassée par les protocoles, lorsqu'elle se met en tête de couper le gâteau de ses 94 ans avec un sabre. Et n'allez pas lui rappeler qu'il existe de simples couteaux pour ça. Je sais que ça existe. Mais c'est beaucoup plus original comme ça. L'art du contre-pied et de la mise en scène, lorsqu'elle s'affiche avec un autre illustre britannique. Monsieur Bond, Votre Majesté. Dans cette vidéo parodique, la reine est escortée par l'agent 007 pour se rendre à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres. Un sens aigu de l'autodérision qui pousse la reine, alors âgée de 86 ans, à prendre l'hélicoptère et mieux encore, à sauter en parachute. Mais sa plaisanterie la plus étonnante fut sans doute celle diffusée lors de son jubilé. Qui aurait imaginé une reine inviter un ours mal léché au château de Windsor? Un cup of tea avec Paddington, l'occasion d'un échange savoureux. Voulez-vous un sandwich et la confiture? J'en garde toujours un sur moi, en cas d'urgence. Moi aussi. Je garde le mien ici. Pour plus tard. Un humour de famille, qu'elle partage avec le prince Harry. Qu'importe si le couple Obama la taquine. Attention à vous. La reine Elisabeth vraiment n'était jamais où on l'attendait.